Hello tout le monde, moi c'est Eline et aujourd'hui je me rends dans un Repair Café pour réparer mon grille-pain qui ne fonctionne plus. Et on va tester ça ensemble. Donc là je suis en train de me rendre sur les lieux du Repair Café et je vais me faire accueillir par Francine qui est l'une des bénévoles qui était à l'origine du projet. Bonjour Francine. Bonjour Eline, je vais vous faire visiter d'abord tout ce qu'il y a alentour. Ouais, avec plaisir. On a l'atelier pour réparer les vélos avec Gilles et Joël. On a un beau poulailler. Elles arrivent directement en tout cas. Ah oui, oui. Donc voilà la yourte, Eline. Et donc je te présente Pierre. Enchantée. Bienvenue. Tu viens pour un grille-pain qui ne fonctionne plus et je ne sais pas pourquoi. Eh bien écoute, on va le démonter ensemble, puis on va voir. Ok, ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le Repair Café ? C'est un lieu de convivialité. On accueille des gens qui amènent des appareils qui ne fonctionnent plus. L'idée, c'est d'aider donc à la réparation, de participer donc à un anti-gaspillage. Et c'est quoi la différence entre un service après-vente et un Repair Café, justement ? C'est un service qui est partagé, puisqu'on le fait ensemble, les gens sont là. Donc on essaie de réfléchir ensemble. Et en plus, on apprend, donc on peut refaire chez nous par la suite, oui. En ayant appris. Oui, bien sûr. Oui, oui. Eh bien, on va essayer alors. Oui. Tu regardes bien dedans, tu vois. Il y a un gros morceau de... On ne sait pas ce que c'est, de biscotte ou de pain, des choses comme ça. Donc voilà. Et ça peut gêner le fonctionnement. Alors on va essayer de trouver l'embout qui correspond à ça. Si j'ai dévissé une des premières vis, voilà, tu vas, appuie dessus, tu vas voir, et tu vois, je te tiens l'appareil. Vas-y. Voilà, impeccable. Alors donc regarde, tu vois, là il y a encore des morceaux, là on voit bien, il y a un gros morceau. Je confirme, c'est un petit blinis, on dirait, non, c'est un blinis, c'est ça, non. Pour ça, c'est important de nettoyer régulièrement ces appareils-là. Ah oui, là je vois qu'il y a une petite capsule en dessous. Ah voilà. Tu bricoles des fois ? Bah j'essaie, mais ça y est, je m'y connais pas du tout, donc j'ai un peu du mal à m'y mettre. Mais je pense qu'après, il doit y avoir des tutos sur Internet. Voilà, il y a plein de tutoriels sur Internet, sur tout, hein, tous les domaines, sur toutes les marques de produits, donc tu peux trouver ce que tu veux comme tutoriel. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est très 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 bien fait. Bon, on va essayer de le brancher et voir ce que ça donne. Donc en fait, c'est quand même mieux de réparer, j'imagine, économiquement. Effectivement, le fait de pouvoir le réparer soi-même ou de le réparer comme ça dans un Repair Café, ça va être beaucoup plus économique. Puis ça participe quand même vraiment à une économie au niveau sociétal et au niveau de la planète. Hein. En tout cas, moi, je suis contente parce qu'au moins avec toi, j'ai compris d'où venait la panne et j'ai pu quand même apprendre comment faire pour réparer. Je suis trop contente, vu que je ne suis pas du tout bricoleuse. Là, je me dis, je me suis sentie utile quand même. Oui. J'ai pu mettre la main à la pâte, donc je suis assez fière quand même. Une prochaine fois, tu pourras peut-être essayer de le démonter toi-même ou le revenir ici. Bah ouais, avec plaisir. Et merci beaucoup en tout cas. Prie. Alors, je repars avec un grille-pain réparé. Je suis super contente, mission accomplie. Si vous aussi, vous avez des objets à réparer et vous voulez les faire de manière conviviale, ludique et surtout à moindre coût, n'hésitez pas à vous renseigner sur les Repair Cafés pas loin de chez vous. Ou alors, vous pouvez aussi visionner des tutoriels sur Internet ou bien même confier votre objet à un réparateur professionnel. Et aussi, n'oubliez pas, il y a aussi le site longuevieuxobjets.gouv.fr qui référence des lieux de réparation. À bientôt !